Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le contenu de la Glossy Box de février. Comme nous sommes donc le 1er février, tout début de mois, je pense que c'est une très bonne chose que je vous la présente. Dès maintenant, je commence à piocher. On dirait un Beauty Blender. C'est une éponge pour le fond de teint. Super mini, ça c'est cool parce que j'en avais pas. Elle est donc au prix de 6,95€, donc 7€. Je continue. Alors, voilà, il s'agit d'un crayon à lèvres de la marque Mimimi. Je ne connais pas. Donc ça, c'est toujours cool, hein, les rouges à lèvres, les crayons à lèvres. Je suis pas douée, en fait. Ok. Donc, il se présente comme ceci. Et pour la couleur, d'accord, on dirait un pêche orangé. Je suis donc pas certaine du résultat sur moi. Je vais tester devant vous. Je crois que ça sera mieux. Alors déjà l'application, on ne peut pas dire, il n'est pas désagréable. Ils disent qu'il est très crémeux, donc il hydrate la peau. C'est vrai qu'il est crémeux. Après, c'est la couleur. Alors, je ne sais pas. C'est pas moche, hein. C'est pas... Peut-être le combiner avec un autre pour donner... Je sais pas, c'est vrai que c'est pas des couleurs, je pense qu'on a l'habitude de mettre. Mais ça peut le faire avec différentes tenues, à réfléchir, à voir. Mais je pense que je vais le combiner. Donc voilà pour ce rouge à lèvres. Je continue. Donc là, il s'agit, cool, d'un produit de la marque Benefit. Bare's Real. En fait, c'est un primer. C'est ce qu'on met juste avant le mascara. De façon à préparer ses cils, ça va les allonger. Ça va leur donner une plus jolie courbure, visiblement. Et leur donner du volume. Et les allonger. Donc pareil, j'ai pas testé, mais j'en avais pas non plus. Donc très bien, à voir. Et puis je vous en parlerai. Je continue. Une ombre à paupières, toujours sympa d'en avoir plusieurs. Ok, donc c'est donc de la marque Glossy Box, dans les teintes mauves, mais vraiment légèrement rose. Hein, je vais vous montrer. Et ils nous disent que c'est l'ombre à paupières parfaite. C'est une texture poudrée et crémeuse. Et bien on va essayer tout de suite. Ah ouais, effectivement, c'est entre deux. C'est un poudré et un crémeux. Alors il y a de très 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 jolis reflets mauves en effet. Ensuite je pioche un nouveau produit. Il s'agit de la marque 417 que je ne connais pas et c'est un conditionneur pour les cheveux. C'est un après-shampoing très riche qui répare les pointes cassantes. Donc c'est super hein, parce que moi vu l'état de mes cheveux, c'est pas du luxe. Stop aux après-shampoings lourds qui plombent vos cheveux. Cette formule riche en vitamines énergisantes, en huiles essentielles et en minéraux de la mer morte va souffler un vent de légèreté et de douceur sur vos pointes abîmées. J'ai pas eu le temps de le tester puisque j'ai reçu la box ce matin. Je vous donnerai mon avis. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore le principe des box, enfin en tout cas de la Glossy Box, nous avons 5 produits à chaque fois. Parce que là j'ai l'impression que ça ne s'arrête plus. Et là donc je passe au dernier produit. Et donc il s'agit d'une crème ultra hydratante. Alors là nous avons vraiment un format minuscule. Mais ils nous disent que c'est la crème des crèmes qui est un best-seller au Japon apparemment qui répare toutes les peaux. Bref, vous allez tomber in love de cette formule non grasse qui agit comme un petit miracle. Alors par contre, ils nous disent quoi en fait? Si, ils nous disent que cette crème donc vient au secours des mains, des coudes et des genoux également. Donc s'il dit également, c'est que je suppose qu'à la base, on le met sur le visage. Moi, c'est vraiment... C'est vraiment ce que je comptais faire avec. Donc pareil, je vous dirai parce que ça m'intrigue cette petite crème. Et bien voilà, je vous ai présenté tous les produits de la Glossy Box de février. Mon bilan, il est simple. 3 produits top. 2 autres où je suis un peu plus sceptique, mais c'est plutôt une question de teinte. À voir. Donc en tout cas, j'étais très contente de vous retrouver, contente de vous présenter tout ça. Et je vous dis à très bientôt, sans doute vendredi, pour une nouvelle vidéo. Bye bye!